Hello, everyone. I hope that you are doing well in this difficult time. Thank you for being here. I will make short in French and in English. Bon, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous bien en cette période difficile. Merci d'être là. Je ferai court et dans les deux langues domitoriennes. Je me joins évidemment aux remerciements de Tammy et de Jean-Pierre. Merci aussi aux participants qui ont accepté de faire leurs interventions en dépit du contexte. Merci au public qui participera aux sessions en direct. Et enfin, merci à tout le comité de direction du colloque, à Tammy, Jean-Pierre, Louis, Valentine, Yann, Dimitrios, et bien sûr, merci à l'équipe technique de Montréal. I join in all the thanks of Tammy and Jean-Pierre. I would like to thank the participants who accepted to make their communication in spite of the context. Thanks to the public who will take part in the live sessions, and thanks again to the committee, the committee of direction of the Congress and everyone and the Montréal team. In the various and all exciting communications, I was struck by several things that I will just sketch as an introduction. Dans les différentes et toutes passionnantes, bien sûr, communications, j'ai été frappée par plusieurs choses que je me contenterai d'esquisser en guise d'introduction. L'importance des modèles préexistants, art de la scène, photographie fixe, art graphique, etc., pour penser l'histoire des techniques et des métiers en cette période si cruciale d'invention, d'expérimentation et d'institutionnalisation. Ces modèles ont pu être abordés sous l'angle de la continuité, de l'adaptation, des écarts ou des ruptures, mais chaque fois incarnent des matrices ou des points de repère indispensables. One, the importance of pre-existing models, performing arts, still photography, graphic arts, etc., in thinking about the history of techniques and trades during that crucial period of invention, experimentation, and institutionalization. These models could be approached from the point of view of continuity, adaptation, deviation, or breaks, but embody essential reference points. Deux, l'importance de faire dialoguer dans ces histoires le singulier et le collectif. Ça permet d'interroger la notion de représentativité, de mettre au jour des réalités plurielles et complexes derrière un métier. Les communications démontrent la variété des trajectoires professionnelles, les possibilités offertes en matière de mobilité professionnelle, l'importance qu'il y a à interroger finement, à travers les documents, les tâches concrètes et la division du travail dans chaque contexte particulier. Two, the importance of having a dialogue between the most singular and the collective. It allows the question to question the notion of representativeness. It highlights a complex and plural reality behind one trade or profession. The communications demonstrate the variety of the professional trajectories, the possibilities offered in terms of professional mobility. It also shows the importance of questioning through documents the concrete tasks and the division of labor in each particular context. Trois, l'importance de la circulation. Comment circulent les savoirs, les discours, les termes, les personnes, et ainsi mieux comprendre comment se construisent des métiers et des savoir-faire propres au cinématographe. The importance of circulation, how knowledge, discourse, terms, people circulate and thus better understand how professions and know-how specific to the cinematograph are invented and built. Enfin, comme le montre le premier panel que je vais maintenant introduire, comment s'articulent métiers et techniques? Qu'est-ce qui détermine quoi? Comment se joue articulation entre division des tâches, invention d'un métier et procédés ou objets techniques qui peuvent autant servir à une seule personne qu'à, par exemple, communiquer entre divers services? Finally, as the first panel that I will now introduce now shows, how are professions and techniques articulated? What determines what? How is the articulation between the divisions of task? The invention of a profession and process and technical objects that can be used for one person or, for example, to communicate between various departments. So, now we will begin the first panel. So, I don't know if you want to stay all visible. I don't know. It's like you want. Voilà. Et sinon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait du coup pour les panels, pour l'organisation des panels? Peu importe. Je commence. Je continue. Mesdames et messieurs, alors, here's the link in the chat.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans le premier panel intitulé « Film Chemistry, Lab Technique and Archival Traces » que je rebaptise tout de suite le panel de Sherlock Holmes. Vous y trouverez, sous couvert d'une histoire matérielle du cinéma, de singuliers objets, des procédés, des notes éparses, des silences historiographiques, en bref, des mystères que nos historiens et nos historiennes ont tâché de questionner avec la méthodologie scientifique de tout enquêteur qui se respecte. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français. Alors, dans le chat pour les conférenciers, dans l'onglet « Questions et réponses » qui doit apparaître en bas de votre écran pour tout le reste du public. Et merci à Tammy de m'aider à affronter le flux ininterrompu de vos questions. À partir de maintenant, pour ne pas empiéter sur le temps de parole, je vais devoir à un moment donné choisir entre anglais et français. Donc, je présenterai en anglais ceux qui ont parlé en français et vice-versa. Ladies and gentlemen, welcome. Welcome to the first panel entitled Film Chemistry, Lab Technique and Archival Traces that I immediately rename the Sherlock Holmes panel. You will find here, under the cover of a material history of cinema, singular objects, processes, scattered notes, historiographic silences, in short, mysteries. That how historians have tried to question with the scientific methodology of any self-respecting investigator. Please feel free to ask your question in English or in French in the chat for the panelists and the conférencier and the participants of the Congress, or in the question and answer, just at the bottom of your screen. Thanks to Tammy for helping me to deal with the flow of your questions from now on. In order to not to encroach on speaking time, I will have to choose between English and French. I will present in English those who spoke in French and vice versa. In état des lieux des recherches sur les repères de contrôle, l'évolution d'une pratique d'atelier méconnue, the archivist and film historian Camille Blovelens and Anne Gournay-Marès, who is in charge of the collection des appareils at the Fondation Jérôme Sédoux-Pathé, have conducted a very detailed investigation into what they call the repères de contrôle, control markers, that can be seen more or less hidden in the decor of Pathé films manufactured from 1904. What can it be used for? The two historians tracked down the presence, forms, and the marker of the markers, revisiting hypotheses and making new ones. In Le mystère des couleurs des pellicules du cinématographe Lumière, Jeanne Pommeau, curator, restorer of the film archive in Prague, questions the mysterious coloring of Lumière film. The history of this film is at the heart of her PhD subject, and it is an ongoing investigation with a very scientific methodology. Where does this yellow-orange color come from? Was it apparent at the beginning of the century? The 20th century? And if so, was it desired? Is it a degradation of the emulsion or an intermediate layer of glue? Dans The Working Samples, Function and Accidental Beauty from Italian Silent Cinema's manufacturing Machine, Stella Dagna de l'Université de Turin et travaillant au Musée National du Cinéma à Turin, revient sur une série d'objets, des planches d'échantillons de travail, The Working Samples, qui ressemblent, mais qui ne sont pas, les fameuses planches publicitaires que vous avez peut-être en tête, présentant les différents types de virages et teintages qu'on trouve par exemple chez Pathé ou chez Agfa, mais ce sont des documents internes. Dans sa présentation, l'historienne qui fait appel au talent de Sherlock Holmes, pour ceux qui n'auraient pas vu encore son intervention, vous verrez et vous comprendrez, non seulement présente la multiplicité des usages possibles, mais éclaire leur circulation entre les services, entre les pays, et elle démontre aussi combien ces objets peuvent être utiles aux historiens du cinéma, car ils permettent de rendre compte, par exemple, d'images manquantes, de films perdus, de fins alternatives. Elle, notamment, on verra peut-être dans le cours de la discussion, l'exemple de Tigré Réal. Dans The Future Past of Moving Images Toward the Prehistory of Film Archive, Dimitrios Ladis, professeur adjoint à la Ryerson University de Toronto, vise à combler le manque et les silences entre, d'une part,
les discours appelant la préservation des pellicules fin 19e siècle et l'établissement de cinémathèques, institutions d'archives et musées qui se développent notamment dans les années 30, 1930. Il montre à quel point la question de la préservation perdure et combien il est nécessaire d'aborder ce sujet en adoptant une perspective multifactorielle, depuis la question technique, par exemple matérielle de sauvegarde, la mise en sécurité des bandes, jusqu'aux questions juridiques ou encore la question des remplois, des stock shots, etc. And last but not least, les traitements chimiques d'un film, le carnet de notes d'un responsable de la production aux usines Pathé à Joinville, Nicolas Legerne, independent researcher and author of a PhD devoted to European research laboratories at Kodak, comes back on a very precious document, the notebooks of an engineer, Robinson, whose career led him from Footscray to Pathé and then Kodak. He cross-references these notes with the Cahier des ingénieurs Pathé at the Fondation Pathé and other documents from the Kodak collection at the British Library. He provides access not only to several recipes and processes used in the manufacturing departments at particular times, but also to the career of this bilingual engineer from the Footscray plant to Pathé and Kodak. Ah, eh bien, je vois que les questions commencent. Donc, it's a question for Stella. So, do you see the question in the chat, Stella? Hello, Prisca. Hello, everybody. I'm really happy to be here and to be introduced by this fantastic presentation, mystery presentation. Yes, I have read the question from Elif, and the answer is yes. Elif has asked to me if there is some film for which there is a complete kit. In my presentation, I speak about the kit that accompanied the film during their production from one sector to another of the post-production. And with the samples, there are also il quaderno delle positive, il quaderno dei titoli and other materials. And Elif asked to me if there is some film for which there are all this material together. The answer is yes. In particular, Tigre Reale is a case in which we have all this kind of notebook. It is the case that I have studied more in deep. But there is also for Maciste, the first Maciste. And in other case, there are, for example, only one or two notebook documents, but these are the two cases in which the kit is complete. We don't know if for every case, for every film, all these material are completed. It's also possible that for some film, they prepare only one of these notebook, but these two cases are have the complete kit. Alors, I hope I have answer. Okay, so if you want to send the question, il faut envoyer à tous les participants et les conférenciers. Send your question to all the panelists, all the participants, and all the public. So I transmitted the question by Elif. Could you tell us, Stella? What about the function of this material? And especially about editing. And you know, I had the question about the working sample who may not been in colors, and I was asking myself about this. Yes. There are some cases in which the frames are in color and other in which are in black and white. But the function is the real mystery of this question of the working samples. But I think that probably they can be used
also for the color trace, but this is only an hypothesis because it's normal for Sherlock Holmes. There are all a lot of points that remain mysterious in some cases. So I can make the hypothesis that as they are traced for editing, could be also traced for color. But I'm not sure about that. One thing interesting is that a lot of these samples are not for prepared for the first release of the film, but for re-edition. And in this case, for example, for Cabiria, the color change. And so probably in this case, I think that it's probably that in the lab they are used also as a color trace, but it's only an hypothesis. The colors are very nice, and so probably I like to think that there are also a function of this brightness, but I'm not sure. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être qu'on sur la question des couleurs, justement, Jeanne, est-ce que tu veux rebondir et nous expliquer un petit peu tes dernières découvertes et puis peut-être nous dire si tu as trouvé des négatifs qui ont les mêmes questions, enfin qui posent cette question-là en fait de la colorisation, et si dans tes recherches, par exemple dans la presse, est-ce qu'il est fait mention en fait de coloris, de couleurs pour les pellicules lumière ou au contraire de blancheur. Bonjour tout le monde. Hello everybody. Hello Prisca. I'm very happy to be here with you. So just to start. Oui, alors nous avons trouvé des négatifs noirs et blancs et d'autres colorés à George Eastman Museum. Mes notes montrent un jaune vert et j'ai vu ces matériaux avant de commencer la recherche. Donc, je n'avais pas de méthodologie pour décrire les couleurs. Et c'est très difficile ensuite de pouvoir... on n'a pas une mémoire des couleurs qui nous permette de pouvoir ensuite comparer ce dont on s'est souvenu, ce qu'on a vu il y a un an. Et même les photos n'étant pas calibrées, c'est pas très pertinent toujours. Mais il y a des négatifs qui ont des couleurs jaunes très proches de copies positives. Par contre, on a vu la diversité des jaunes orangés sur les copies. Donc, c'est un peu difficile justement avant d'avoir pu faire un inventaire précis avec une description des couleurs pour chaque élément. Parce que sans ça, on a un petit peu du mal à savoir. D'autre part, les éléments négatifs observés ne sont pas tous du catalogue. Il y a certains éléments qui sont en couleur, mais qui font partie qui sont des films amateurs. Donc, on ne sait pas forcément si les films, si c'est effectivement de la pellicule négative qui a été utilisée dans la caméra pour la prise de vue. C'est aussi une hypothèse. Savoir est-ce qu'il y avait deux types de matériaux. Il y en avait une qui était pour le positif. De toute façon, il y avait deux types de matériaux. Mais est-ce que cet orange était vraiment présent dans les négatifs vendus par Lumière comme négatif? Ça, c'est une première. C'est une question qui est encore en cours. Et puis, alors, après, ta deuxième question, non, je ne me souviens plus. Excusez-moi, rappelez-moi. Oui, en fait, tu as presque répondu, parce que c'était la question de savoir si tu avais trouvé des mentions dans la presse, mais comme tu l'as très bien dit, comme c'est une question très, très subjective, effectivement, c'est peut-être pas... Non, et je pense que le monochrome jaune, de manière générale, et ça se voit beaucoup de nos jours, et la perception qu'on a des premiers films... nous montre qu'elle est complètement ignorée. C'est une couleur qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Après, il y a aussi la question des lampes. Il y a toute une étude et toute une documentation qui est en fait plutôt les manuels pour les exploitants de salles beaucoup plus tard, mais qui explique déjà la complexité de la lumière, des différentes sources de lumière, des différents types d'écrans.
Il y a même des écrans un peu rosés. Enfin, ça, c'est des questions que d'autres personnes connaîtront beaucoup mieux que moi, en particulier dans ce panel. Moi, je commence juste ma recherche, donc c'est des pistes qu'il faut encore que je creuse de ce côté-là. Voilà. Tu veux lancer ton appel ? Appel à tous les gens qui ont des films lumière chez eux ou des pistes. Oui, tout à fait. Il y a une question pour Camille et Anne. Je ne sais pas si vous la voyez dans le chat. Est-ce que tu l'une de vous? Yeah, I can answer. So I will answer in English. So thank Elif for your question. Everyone sees the question right now, right? I don't have to say it again. No, so this was indeed very interesting. The fact that this tool, this repère was only observed in Pâtéfilm. So we couldn't see anything similar so far in other companies of the same period. So apparently it's really something that is linked to how Pathé will develop the production and how they find and really try to find way to improve the production, but it's not something we have observed on other materials. So yeah, it's in itself is really interesting actually. Est-ce que Anne, tu veux peut-être que vous pouvez rappeler vos cinq pistes qui apparaissent à la fin, qui sont vos cinq hypothèses en fait. Tu veux que je le dise en anglais? Non, peu importe, comme vous voulez. Les deux langues domitoriennes, c'est le français et l'anglais, vous faites comme vous voulez. Oui, mais comme la présentation est en français, je ne sais pas, peut-être que qu'on peut le faire en anglais. Ben, en fait, so, I will just remind the different possibilities. Of course, the first hypothesis was linked to the stability. Fixité, since it's how we started investigating this aspect, and for the one who saw the presentation, there is a cross that appear on the edges of the film in small perforation, small windows on the edges. So we thought that maybe we explore this first possibility, but it appears that it's not. The framing. You would say it like this, no? Framing, which is also appear that it's probably not. we then thought that maybe it could be linked with light, since it's white and black, the contrast could be also a way to check the right contrast and control the light in a way, so no. Well, I won't say all the time for the one who didn't see, so you have some suspense as well. And after, how we have three. And the last, c'est quoi? La distorsion. La distorption, mais yeah, celle d'avant, for the focus. The focus, exactly. So we saw that. Maybe it was easier to focus having something that didn't move. And this was linked to the fact that it's often close to where the action of the actor is in the depth of the frame. And finally, as an optical for an optical problem, which was a distortion of the image. So these are the five. Kind of a piece what we try to investigate and answer to. And now I give the word to Anne. Oui, bon, je parle français, c'est plus simple. Pour compléter la réponse pour la question de Elif, en fait, a priori, il n'y a pas de brevet. Non, moi, j'en ai pas trouvé, surtout que c'est une pratique, en fait, d'opérateurs, et c'est pas une invention d'un ingénieur. Donc a priori, nous n'avons pas trouvé de brevet là-dessus,
Et effectivement, toute la question est pourquoi, si c'était pour la préparation du tournage, pourquoi il l'a laissé une fois que le problème était réglé? Parce que justement, avec Camille, on pense que c'est un repère de contrôle et qu'il devait servir à contrôler quelque chose au moment de la projection. Donc, peut-être un de ces différentes hypothèses qu'on a évoquées dans la conférence. Alors, vous avez vu que vous aviez une autre question que je vous ai traduit rapidement là. C'était donc « Is the importance of repair was only during preparing the shot and the shot and why was it not removed when the filming started ?» C'est exactement ce à quoi Anne vient de... Well, I can answer in English. I can translate what Anne just answered in English somehow. Yes, it was something that we thought of, that it was necessary to keep this information for after shooting. So that's why we think that it's a checking tool, to check something, and not just to prepare before the shooting, but it had to remain on the element even after the shooting so it can be checked probably at the point during the projection. But what helped us also to formulate hypotheses is the fact that it moves from inside the image to the edges of the film. So it's not seen by the spectators anymore. We could see how Pathé really tried to make it the more discreet possible until it completely take it out and it's only appear on the edges outside the frame, but it's still there. It's still there because it's needed after. So this was really an important, if not, it would have been just used, as you say, to prepare the shot and after it would have been removed. But we really think that it has to be there even after, so it can help checking something. Did we answer the question? Merci, Camille. De rien. Alors, oui, bien sûr. Peut-on répéter les hypothèses en français? On peut voir la présentation aussi. Oui, la présentation est très claire. Oui, mais on le sent. À quel moment les marques disparaissent des pellicules? Demande Jitka. Dans les pellicules, elles sont visibles ou pas visibles? Parce que l'image ou de la pellicule? Nous? Bon, pour répondre, elles disparaissent de l'image. Ben, au cours de l'année fin 1905, début 1906. Quand la caméra Pathé professionnelle est créée, que les petits fenestrons sur les manchettes arrivent. Donc, D'accord. The repair disappear. There is a period of transition. There is a moment when films in the same catalog have different kinds. Some repair appear in the image, and others are already on the edges, and even in some cases in the same film. But it happened. The transition happened basically at the end of 1905. This little window on the edge of the film appeared in the camera. Et non, en effet, lorsque la marque était sur les manchettes de la pellicule, entre les perforations, on ne la voyait plus à l'écran. Je réponds à une question là. Oui, j'ai répondu aussi. Tout à fait. peut-être, maybe we can question Dimitrios. Dimitrios, so about your communication, I have several questions for you.
Do you know what is the situation regarding the chronology of the safeguarding of sound-only recordings? Can we make a parallel, a comparison between cinema and just sound? What do you think about the role of the development of ethnology as a science? Last question, your answer what you want to what you well. Do you think that the First World War was able to play a role, of course, in terms of image of the conflict, but also in terms of the fact that the conflict freed up in France, for example, spaces on the screens for new exploitation, a re-exploitation of pre-war films? And well, tell me, tell us. D'abord, merci Prisca, merci à tous les autres participants, intervenants, les organisateurs, d'être là même en distance. Je veux passer en anglais, mais si vous en avez autre question, je peux. So it's true that this is a period where, you know, there's an emerging discourse of memory, both before World War I, as you said, with a lot of scientific developments in ethnology, anthropology, kind of field work, collecting voices with the invention of the gramophone that had preceded. And then also specifically with World War I, which is the tail end of our period here, but which kind of catalyzes the emergence of the first kind of quasi-archival discourse. We can't speak of any professionalized kind of approach to this or scientific, but you know, there was first a fascination with kind of capturing voices and images of famous people, right? And events, and you know, going back to Matuszewski, there's this fascination of preserving, embalming history for posterity. And as I mentioned also, as I gestured in the presentation I have in the larger project, it's a period where time capsules also kind of, you know, become a thing, and film plays a part in that. So yes, there is this kind of taking advantage of the verisimilitudinal kind of aspect of cinema to preserve for posterity. So it's crucial kind of point out that films aren't yet preserved for themselves en tant que film, en tant qu'objet, en tant que artefact, but they're more kind of for the content, right? Now there is this beginnings of the material questioning, as I mentioned, Eastman Kodak in the spirit kind of issues the first guidelines. There is kind of initial musings about whether a national repository in England and the US, and then also, you know, first a municipal in Paris, and you know, whether a cinematheque would be something advisable on the model of kind of a hall of fame of collected voices, and so it's interesting that precedes as a model. But yes, with Imperial War Museum, it comes to fruition somehow on a kind of a tentative basis in 1918-19, when these are kind of transferred, you know, from the cinematographic service of the British Army, and actually other Empire armies, Canadian Army was also had footage, but it's not yet kind of professionally, there is someone that's appointed to take care of them, but it's not done as a separate, you know, I mean, they're still kind of puzzling out, would film be preserved on the model of photographs of something else? Storage is an issue with, you know, safety, kind of they rapidly realize that that's, so I do think, as you kind of pointed, Prisca, that these are the two models. On the one hand, the scientific kind of sort of more collecting and for posterity, and then the other is the memorial, the sort of, you know, the war that had just happened, and the rapidity, you know, of kind of different kinds of memorialization that we saw also with the 100th anniversary these past few years, that kind of catalyzed an initial thinking of what preservation of films would look like and for what purpose. Now, the questions are not answered in this stage. I can go into kind of the forms tentatively that they take, but yes. I think there's another question. Tu l'as en anglais plus haut, in English. Yes. Just. So, policies of access of archival footage and what criteria for gaining access and for reusing materials. Not anything formal at this point.
I'm not aware of any kind of use of or access or need to access of archival film in an official capacity. The first time this happens is with found footage films that are re-edited beyond our period here. So in the mid-20s, we have the first compilations of films drawing on archival images that are in a very kind of scattershot kind of fashion are compiled in a larger project. I have a detailed analysis of the production of 30 years of motion pictures, you know, Movie Parade, all these films. And then of course, also the Montage School in Russia, which makes with Esfir Shob and others kind of a formal use of archival documents in films like the Rise and Fall of the Romanov. Now in Canada, there's a very interesting kind of project in 36 called Lest We Forget that is kind of a re-editing of the World War I footage that had been preserved. And there's a collaboration there with Imperial War Museum. So this is a feature length kind of documentary that's compiled from to commemorate the war. So this is the first kind of need to access older footage and it's done in a very kind of piecemeal fashion, as I said. It's a case-by-case development, as you're suggesting. I'm not as aware of the German developments that you're referring to here. It'd be interesting kind of to see, you know, how they correspond. Their Reichsfilmarchiv is started just before or during the first years of the Nazi period. But it's kind of interesting in its afterlife as well. One of the reasons why a lot of these films were rediscovered of World War I is that CBS did a documentary in the 60s. And so once TV comes around, there's this kind of again rethinking of, okay, like where's this old footage? Can they be more systematically cataloged? We have more kind of detailed kind of thinking of how these are archival documents that can correspond to the print documents and to the reports and letters and so forth. So I hope that kind of provides some sort of, but yeah, it's still kind of emerging I'm interested in it as a discourse rather than as a formalized kind of set of practices. Even archival science as such and library science were emerging in this period. And, you know, the guidelines as they developed, I mean, Canada's country where, you know, library science and information science was early kind of on adopted, but still not in the teens in as a kind of separate discipline. And as Halif is pointing out, there are similar films. Il y a deux autres films en France pour les deux ans de commémoration. Je suppose principalement des actualités de Pathé, newsreels, and so forth. Peut-être qu'on peut donner, en attendant... Il y aura peut-être d'autres questions. N'hésitez pas à poser des questions à l'ensemble des panélistes. Ah, il y a une question. Is there film archives who limits access to their collections? Bah, toi, tu es bilingue, Dimitrios, mais tu as vu, il y a une question pour toi. Maintenant, aujourd'hui ou à l'époque? Donc, il y a toutes sortes de limites à l'accès. Par exemple, les archives nationales aux États-Unis limitent l'accès de documents qui sont en paix pour des raisons de sécurité. Quelques font les tests de nucléaires, Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Mais je ne crois pas à ce qui concerne la Première Guerre mondiale aujourd'hui. C'est le problème d'accès plus large. Par exemple, le Ghost Film Fund n'a pas de catalogage qui est facilement accessible, même sur place, comme je dis. So, with regard to the paper print collection, that's a very interesting question. That's the other kind of source why accidentally a lot of these things survive. There is some kind of discussion in the British Patent Office, and there's a suggestion that the British Museum should be their depository even before the advent of the Imperial War Museum. There's various approaches to this. I mean, I think in the UK at some point, and Ian can correct me, they did submit at least one frame per film or one frame per scene. It was kind of a wide variety of approaches, but not kind of systematically in the way that Edison kind of did and the other, you know, Mutoscope and Barygraph. There was also some kind of thinking in France whether
these films go under the cabinet de stamp et de photographie, or whether, you know, it wouldn't even be collected, which it wasn't eventually. But I'm not aware of any paper prints surviving, again, someone can correct me, to the present day as a collection in the way that the one in the Library of Congress kind of has it. Is another kind of question about Hollywood practice in the teens and 20s, right, whether they were preserving kind of stock and newsreel services. Yes, there is a little bit of that. I mean, reuse first in the fiction films themselves. We can't speak of, and of course, we have the book by, get his name here, at University of Wisconsin, who talked about film libraries and the rise of video libraries. His name. At the Media History Digital Library. Eric Hoyt. Yes, Eric Hoyt, yeah. So, and so that kind of systematically doesn't come about until the first presentments of television. But it's true that, you know, there's recycling in studios. There is often compilations of comedy films. I mean, Chaplin, you know, very famously, without his authorization, there was a compilation film released. And there is a little bit of back and forth with the newsreel. I mean, especially in the case of Fox, you know, the reuse in films like All Quiet on the Western Front and so forth. So yes, but not yet the monetization that we see later on with television. Yes, thank you. Okay. Sorry, I forgot. It's okay. Peut-être qu'on peut passer à ton travail, Nicolas. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que ces carnets de notes, ce que tu as trouvé, qu'est-ce qu'on y trouve et quels sont les indices qui peuvent essayer de nous faire comprendre ce que c'est, est-ce que ce sont des brouillons de ces rapports, est-ce que tu as repéré des différents usages entre le français et l'anglais, etc. D'accord. Oui, écoute, merci beaucoup déjà à tous les organisateurs pour ce travail phénoménal. Donc, en fait, ce carnet de notes, moi, je n'étudiais pas spécifiquement ces objets historiques. Moi, j'étais plus focalisé sur les rapports de recherche donc des ingénieurs de Kodak Pathé ou bien de Pathé Limited. Mais donc, j'ai trouvé ce personnage intrigant, puisque au départ je pensais que c'était un espion qui étudiait les techniques chez Pathé, et donc non, c'était bien un employé qui travaillait pour Pathé, pour Charles Pathé. Et donc c'était un peu intriguant. Donc là, je ne parle principalement que d'un seul carnet de notes, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans ce carnet, donc, on alterne entre l'anglais et le français. Et effectivement, on peut se poser beaucoup de questions par rapport à la destination de ce savoir technique et scientifique. Est-ce que c'est uniquement... donc, ça peut être le fait de stocker pour soi, donc pour Tom Robinson, là, uniquement... ces formules qu'il utilise au quotidien, on peut l'imaginer dans les sites de production Pathé à Joinville. Mais ça peut être aussi le fait de commencer le brouillon d'un rapport qu'il doit envoyer à sa hiérarchie. Ça, je ne peux pas l'infirmer ou l'affirmer, puisque le discours est très approché des fameux carnets des rapports de recherche qu'on peut trouver à l'association Cécile à côté de Chalon-sur-Saône. Et beaucoup de possibilités. Ensuite, par rapport au langage, là aussi c'est dur à dire. Est-ce que c'est tout ça, pas simplement... s'il avait peu de temps et il était quand même plus... pour lui, c'était plus facile de rédiger en anglais. Est-ce que voilà, dans ce cas-là, il utilisait plutôt l'anglais que le français. Enfin, malgré tout, on observe une très bonne maîtrise du français. Il n'y a que quelques petites expressions là, qui trahissent sa nationalité.
Donc, voilà, il est un petit peu mystérieux cet homme-là, puisque je n'en ai pas trouvé de traces réellement dans toutes les différentes archives que j'ai pu consulter. Donc, c'est un petit peu difficile de savoir vraiment l'utilité, était-ce uniquement pour lui, ou est-ce qu'il y avait un petit groupe de ses collègues qui étaient habilités à relire ses notes, à les utiliser dans ce sens ou dans l'autre aussi. Est-ce que lui a utilisé certaines données provenant d'ailleurs? Est-ce que lui et Maier ont collaboré pour se refiler les formules? Je ne peux pas vraiment dire. Jeanne, je crois que tu avais une question, non, pour Nicolas? Vas-y. Oui, tout à fait, parce que évidemment, c'est complètement fascinant aussi ce texte. Je me demandais si dans le carnet de notes formula substratum et support, s'il y avait des informations sur la composition des substratums que de Patiné, s'il y avait quelque chose qui pouvait être s'il y avait quelque chose sur une couleur de ce stratum par hasard. D'accord. Sans avoir une question très intéressée. Oui. Alors oui, puisque dans le carnet dont je parle, je n'avais noté que le titre. Alors je m'excuse, je n'ai aucune reproduction de ce carnet puisque je n'ai pas pu le retourner à la source, à l'archive, hein, à Londres. Et donc je n'avais que le titre. Je n'ai même pas la formule dans ce premier carnet. Par contre, donc là j'ai vérifié, j'ai quand même une formule dans le carnet que vous évoquez. Donc je cite textuellement, c'est le substratum A78, acétate poudre 50 kg, déchets 50 kg, nitro, donc nitrocellulose, hein, 20 kg, triphénylphosphate 17,5 kg et tricrésylphosphate 17,5 kg. Et pour finir, solvant malaxeur. Fin de citation. Voilà. Donc là, au moins, j'ai une formule de substratum. Je n'en ai pas la date, malheureusement. Et donc là, on est soit les années 10, soit les années 20. Voilà ce que je peux dire. Mais donc j'aimerais, oui, exploiter ces carnets un petit peu plus. Et puis, quitte à pouvoir les photocopier ou les numériser facilement pour une extraction plus simple des données. Quoi. Merci, Nicolas. Vous en prie. Tu as une question oui. Ah, une question d'Anne. Non, je voulais compléter par rapport à ce que disait Nicolas, par rapport à la question de Jeanne. Dans les rapports des ingénieurs chez Pathé, on a beaucoup de formules de substratum. Je ne sais pas si tu es venu, si tu es allé les consulter. On a énormément de formules et d'essais. Et voilà, donc peut-être que tu peux trouver des informations sur, sur ton problématique. Il y en a beaucoup, à mon avis. Et la même époque que le carnet de Robinson. Oui, c'est prévu. Et d'ailleurs, je pense que l'analyse photochimique va me donner une piste pour pouvoir creuser plus facilement dans les cahiers. Parce qu'avoir toutes ces formules sans... pour moi, ça se complète forcément, parce que c'est vrai que sinon, c'est un petit peu difficile de partir à partir de toutes ces formules-là d'une hypothèse, mais au contraire, une fois qu'on a l'analyse, de pouvoir regarder si par hasard, ça se trouve pas dans des formules de substratum. Just to kind of a thought also, it might be interesting to compare with the US context. I'm thinking, I was reading Josh Umibis and Sarah Street's wonderful new book on color, and they make extensive use of the Ingénieur Pathé and the notebooks of the Kodak research a little later in the 20s. So I'm not sure if any of you have kind of looked at whether formulas and kind of recipes like that, I mean, from the North American context. Je pense que c'est pour toi, Nicolas. Nicolas, tu as deux autres questions. Une question sur Robinson. Est-ce qu'il est référencé parmi d'où venait cet ingénieur? Alors non, malheureusement, non, on ne le trouve pas dans les carnets de... Non,
je n'ai pas trouvé de traces chez Pathé, justement, en tant qu'ingénieur. Ouais, donc, c'est pour ça que moi, je suppose que c'est un manager de la production, mais non, il n'est pas. Il a des projets, il collabore avec certains ingénieurs chimistes, mais c'est tout ce que je peux en dire. Et je crois qu'il y a une autre question. Oui. Sur les films que j'ai. Alors malheureusement, non, j'ai pas eu le temps de voir s'il parle des techniques de récupération des films usagés dans ses carnets de notes. Je pense qu'il le fait puisqu'ils sont vraiment très très denses, très touffus. Mais de mémoire, je n'ai pas je n'ai pas trace de ce sujet de recherche. Très bien. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? C'est bon. Alors, j'ai pas bien saisi la question de Dimitrios. Je suis désolé. Ah, c'est que je me demande plutôt rhétoriquement s'il y a pour comparaison le contexte nord-américain, les laboratoires Kodak ou ailleurs, aussi en réfléchissement sur la composition de films chimiques et ce qui survivent sur les documentations par rapport à... Ok. D'accord. So, dear colleagues, the difference between Sherlock and a film historian is that the result of the survey usually involves more mystery and questions than at the beginning. So, it's time to make way for the panel number two of this day about the professionalization of filmmaking, moderated by Yann Christie. So, thank you everyone, and see you in a few minutes. Thank you. Right away.